11 doelpunten in de eerste twee wedstrijden. Laat ons hopen dat we dat kunnen doorzetten met Sint-Truiden tegen Eupen. Normaal gezien een partij waar we ook wel wat doelpunten kunnen verwachten. En vooral een hele belangrijke voor beide spelers als ze toch nog dat sprankeltje hoop willen houden op die play-offs. Pour eux maintenant, ils sont loin des play-offs. Donc du coup, ils ne peuvent plus espérer grand-chose de cette fin de saison régulière. On espère pour eux que ce match-ci va leur servir de, pourquoi pas, de miroir pour l'année prochaine. Espérons que tout se passe bien pour eux et qu'ils puissent nous offrir un très beau spectacle, hein, que ce soit du côté de Snelle Jelle ou bien du Lix, Ulix que l'on connaît mieux d'habitude et cette saison-ci qui a énormément de difficultés et qui joue contre un joueur qui nous a donné de bonnes impressions aussi, yeah. Snelle Jelle, sans pour autant être un Milan plevier, j'ai envie de dire. Dat niet, maar Snelle Jelle heeft wel heel wat kwikke en leuke dingen laten zien dit seizoen. Laat ons hopen dat hij volgend seizoen nog krijgt om zich wat te ontwikkelen. Dat is wel belangrijk natuurlijk, dat je op lange termijn ook denkt in e-sports projecten. Bij Eupen doen ze dat ook. Dit seizoen misschien net iets minder goed gedraaid, Ulix. Heeft het wat moeilijk gehad, is ook een keertje hier moeten komen spelen bij ons op kantoor. Dus heeft het absoluut niet gemakkelijk gehad. En vandaag zou ja, wel eens het einde kunnen zijn van zijn seizoen. Ah ja, je pense qu'aujourd'hui ça va être un point marquant de sa saison pour essayer d'évaluer un petit peu son niveau face à un adversaire qui est réputé pour l'instant un petit peu plus faible que les autres, que ce soit en tout cas les quatre premiers qui sont en phase qualificative pour les playoffs. Et lui qui est juste en dessous d'eux va essayer tout simplement de montrer qu'il avait le niveau pour pourquoi pas accrocher. Et face à un Snelle Jelle qui lui a tout approuvé parce que c'est sa toute première saison dans l'élite. Ja, misschien wel belangrijk. Ik heb het nog eens nagerekend. En eigenlijk ligt Eupen er al uit. Want nummer 4 heeft 11 punten. Dat is KV Mechelen. Eupen heeft 4 punten. Met nog maar 2 wedstrijden met deze erin te spelen. Dus voor hem is het seizoen sowieso al over en out. Voor Sint-Truiden kan het allemaal nog. Hij heeft nog 3 wedstrijden te gaan. Dus 9 punten te pakken. Dus vandaag is Road to the Playoffs voor Snelle Jelle echt wel helemaal begonnen. Atal. Yaya Touré, Ronaldo et la perte de balle, récupération du côté de Penard. Attention, le pressing, le gegenpressing qui a été enclenché directement par les joueurs de Saint-Tron pour récupérer la balle au plus vite. Attal, met Ulix aan de knoppen. Salemakers, verlies te maken op de Villa. Het zou een pleister op een houten been zijn voor Ulix als hij hier vandaag nog wint. Het is jammer dat we zo vroeg al officieel, nu niet, maar officieus afscheid moeten nemen van hem in de road naar die playoffs. Dat is een goede bal van Snelle Jelle, Ronaldo er net niet bij. Ah, c'est dommage, c'était bien tenté. Le ballon qui n'était pas assez profond pour tromper la défense de Dundonker sur cette tête des pandas de Pen. Et on sent vraiment la volonté de Saint-Tron de mettre directement la pression face aux joueurs. Chacun des joueurs de Pen est tenu à la culotte pour empêcher une quelconque passe. On va voir comment est-ce que Ulix va s'en sortir. Ronaldo. Ronaldo. Ballon avec Kevin De Bruyne. Yaya Touré. Yaya Touré qui se retourne. La passe pour Ronaldinho. Ronaldinho dans la surface de réparation. Belle défense. Trudonnet. Ja, Sint-Truiden moet wel opletten, want zijn controller is plat. Dat moet je dan toch wel voor de wedstrijd checken, zou ik denken. Heeft in ieder geval op de pauzeknop geduwd. Laat ons hopen voor hem dat het niet in het midden van de aanval of verdediging uitvalt. En dat hij de kans krijgt om de kabel even in te steken. De ketelaren aan de andere kant, Ronaldinho. Een beetje een rommelig begin van beide spelers. Ito. Staat er niet bij veel mensen in. On espère pour lui que la manette ne va pas s'éteindre, mais normalement ça devrait aller, ça devrait tenir. Ah, il fait souvent ça hein, lorsqu'il a yeah. Ronaldo au ballon, il essaie de faire le flip-flap inversé. Et je pense que Pen l'a compris. Et donc voilà, encore une fois, il le fait. Est-ce qu'il va le faire tant que yeah. tant qu'il peut pour que ça puisse passer? Mais bon, j'espère pour lui qu'il va penser quand même à autre chose parce que c'est facilement défendable du coup. Ronaldo aan de andere kant, ook slordig. Ja, het is. Je hebt het gevoel dat het inderdaad al een beetje over en uit is. Ronaldo nu voor de 1-0. Sint-Truiden wijst ook even naar het hoofd. La fameuse célébration à la Marcus Rashford. Eigenlijk Ruben Neves blijkbaar. Hij is er blijkbaar mee begonnen. Maar goed, Snelle Jelle. Die opent de score tegen Ulix. Ja, die zijn seizoen is
zit erop. En dat voel je misschien ook wel een beetje in zijn spel. Snelle Jelle, het kan allemaal nog. Het kan allemaal nog. Pourquoi pas. Maar het gaat afhangen van de andere spelers. Ah, ça, ça veut dire qu'il doit aussi gagner toutes ses rencontres hein, qui lui restent. Et on sait qu'il a encore des rencontres difficiles. Mais Snelle Jelle, comme on le disait en début d'émission, c'est vraiment un joueur qui a vraiment de très bonnes qualités. Offensivement, il est bon, il arrive à se construire beaucoup de très bonnes occasions, mais malheureusement, défensivement, c'est un peu plus difficile. Et surtout, il y a ce manque de concentration, comme par exemple avec ici l'occasion de... Avec ça, le Makers qui égalise directement sur l'entame, sur l'engagement. Et comme on le disait, les problèmes de concentration. En timed finish ook van Salemakers. En zo zijn we terug bij af. 1-1 op het scorebord. En Snelle Jelle in de problemen voor die play-offs. Voilà. Ja, Touré. Atal. En Touré. Snelle Jelle. Flip-flap. Ja. D'accord, hein? Altijd die reverse elastico met R9. De Salemakers qui a failli trouver Ronaldinho qui est tout seul depuis tout à l'heure avec Ronaldo. Ronaldo qui rentre à la passe qui arrive un petit peu trop tard. Heel wat risico hierbij. Un contre-attaque, ça repart maintenant du côté de Saint-Tron, mais bien repris par De Ketelaar et Eupen. Ja, van met de bal bij de aanvaller is van Snelle Jelle, verliest hij vaak heel snel de bal. Want zijn skills, ja, die betalen momenteel nog niet. Ja, de Bills, voilà. Pas pour l'instant, en tout cas. Et Eupen qui s'en sort plutôt bien. Sur la, il a vraiment du mal à défendre le petit pont de Yatouré. Ronaldo, Ito, de nouveau avec le Brésilien. Qui va écarter, non, qui trouve en profondeur Pelé, qui écarte cette fois-ci pour Yatouré. Yatouré qui va frapper, non. Qui revient sur Charles Dekkelaar avec la chance. Pelé, la passe. Net iets te veel. Ja, de initiële controle met Pelé was iets te rechtdoor. Daar moet je proberen een hoek te maken. Ronaldo, reverse elastico. 2-1 en hij wijst naar het logo op zijn shirt. Snelle Jelle is op zoek naar een snelle voorsprong telkens opnieuw. Encore une fois, c'est systématique dès qu'il a le ballon avec Ronaldo de faire le reverse elastico. Ça passe ou ça passe pas, il le tentera quand même. Et ça finit par avoir une occasion, une belle occasion qui finit au fond. 2-1 pour Saint-Tron face à Eupen. Je pense même que Ulix doit vraiment se dire, mais comment ça se fait qu'il tente même lorsque ça passe pas et que je sais qu'il va le faire, ja, mais ça passe pas. Maar natuurlijk, als je het 100 keer probeert, zal het wel een aantal keer lukken. Al is het onbedoeld of bedoeld, dat maakt allemaal niet uit. Het zal wel een keertje lukken. Dit is goed gespeeld van Sint-Truiden. Pelé. Ah, dat is net iets te veel willen. Natuurlijk, op dat kunstgras in Sint-Truiden gaat dat allemaal makkelijker. Daar was het eigenlijk niet nodig. Je pense qu'on devrait compter. We moeten beginnen turven, inderdaad. Maar effectief, als je hem daar meepakt naar je linkervoet, dan trap je hem gewoon binnen. Laat ons zeggen dat we er al zeker 10 gezien hebben. Vanaf nu begin ik te turven. Laat het mij weten als ik er eentje moet bijzetten. Dat was een poging tot, maar de beweging niet goed afgemaakt met de rechter joystick. Allee. En dan sluipen we dichter bij de rust. Kevin De Villa. Koulibaly. Kevin De Bruyne. La récupération de Youssef Attal du côté de Saint-Tron. Il trouve Pelé. Junya Ito. Ronaldo. Oh, c'est bien joué. Dat is heel mooi gespeeld, inderdaad. 3-1. Snelle Jelle, offensivement, il a vraiment de très très belles qualités. Il arrive à facilement se créer des occasions, mais c'est juste que sa concentration, lorsqu'il se fait reprendre défensivement, est un peu plus difficile et qu'il n'arrive pas à maintenir le score. Mais sinon, offensivement, c'est un joueur qui a des qualités. Waarom doet hij daar niet nog even een reverse elastico? Ah, c'est vrai que là, comme par hasard, au moment où on voulait compter, il arrive de le faire. We gaan rusten met een 3-1 verdiende voorsprong voor Sint-Truiden. Ulix die zit er wat beteuterd bij. Ja, die voelt dat ook wel, dat er hier wat dingen niet goed zitten. Maar goed, hij heeft nog 45 minuten om het recht te zetten. Qui reprend pour l'instant la place de Pen à la 7e place. Qui se cale juste derrière Anderlecht. Inderdaad.
En hij kan nog altijd dus op 12 punten het seizoen eindigen en er dus nog bij zijn. Maar dan moet je hopen dat Standaar, Anderlecht en vooral KV Mechelen niet al te veel punten meer pakken. Of geen eigenlijk. On verra bien. On verra bien. Peut-être que ça sera la surprise de cette fin de saison. Het zou maar eens ça pourrait être bien. Pour en dan komt hij waarschijnlijk uit tegen Charleroi of Antwerp. In die eventuele kwartfinales. De Ketelaren. Hoekschop. Kort genomen. Dat is geen goede bal. Mauvaise pas. Ronaldo. À la contre-attaque du côté de Penn. Alexis Alemakers qui se débarrasse de Charles de Ketelaar. Alexis Alemakers de nouveau. Qui fait face à Kevin De Bruyne. Il n'arrive pas à le reprendre. Kevin De Bruyne qui est de toute façon game bien. Out. Ok. Ouais. Bien repris, on dirait par. Oh, la passe Vaudeur, mais je pense qu'à hors jeu. Was het een flip-flap? Denk het wel. Ah, j'ai pas fait attention. Dat ik erin gezien heb. Ik kan hem opschrijven. On le compte, on le compte. Yaya Touré. Kevin De Bruyne, Yaya Touré. Yaya Touré avec Kevin De Bruyne. Ah, goed verdedigd van het al naar binnen gekomen. Divo Corrigui qui a fait son entrée du côté de Penn. À la place de Julien. Oeh, dat was vol risico. Ah, dan zo'n ja. Ja. Oeh, dat is de croquetta. Oeh, mooi gespeeld. Mooi gespeeld. De kroketjes, die zijn gebakken. Lekker met een beetje mayonaise, want die pakt vandaag bij Snelle Jelle. C'était bien tenté, ça. Qui a, au niveau de cette rencontre, au niveau des occasions, qui a vraiment l'avantage dans tout, hein, Snelle Jelle, qui est beaucoup plus impliqué que Eupen. Eupen qui est un petit peu perdu dans le tourbillon trudonnaire. Het vat is ook een beetje af, denk ik, bij Eupen. Ronaldo, goede paas wel hier richting De Bruyne. Koulibaly hier opnieuw tussen. Ja, en dan weer zo'n risicovolle paas. Daar moet hij echt wel mee ophouden, Snelle Jelle. Hij heeft een doeltrap. C'est joué de façon courte. Koulibaly. Attention, la perte de balle sur Alexis Alemakers. Alemakers, le player lock, qui l'envoie au loin sur Charles de Ketelaar. Charles de Ketelaar qui rentre dans la surface de réparation. La frappe! Oh, la frappe croisée magnifique du joueur du Milan AC. Charles de Ketelaar avec le time finish vert. Et Ulix y revient tout doucement dans la rencontre. Oh, dat is goed gevoetbald. Ronaldo, geen reverse Lassico, ook geen doelpunt. Eh oui, c'est ça. Dat is het probleem misschien. Et là, par contre, il aurait dû faire le reverse Lassico. Qui aurait, à mon avis, trompé Courtois. Goeie optie geweest, stevige tackle. Een gele kaart voor Leander den Donker. Wiens gezicht eigenlijk heel goed lijkt op hem in het echte leven. Goeie scan van EA. Attention, cette passe, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, Cap des Villas, le centre de Cap des Villas, bien intercepté par la défense de Saint-Tron. En nu de counter. Steken maar richting Ronaldo, die heeft de bal nog, maar Koulibaly stond nog in de buurt. C'est dur de battre Koulibaly au duel. Charles de Ketelaar qui trouve Alexis Alemakers, le ball roll qui va trouver Yaya Touré, la frappe, non. Yves Dalmada, il passe à Ronaldinho. Il a anticipé. Ja. Il a bien bougé le Thibaut Courtois. Ja, de kwaliteiten zijn aanwezig bij Snelle Jelle. Exactement. Echt waar. Nu wel opletten. Klein stiftertje van Ronaldo. On va dire que cette saison, c'est une saison d'apprentissage. Hein. Inderdaad. Pour Snelle Jelle qui apprend ce qu'est le haut niveau. J'imagine que pour les prochaines saisons, il sera beaucoup plus fort, beaucoup plus conscient de ses qualités également. Attention, peut-être à la. Hors-jeu. Buitenspel en op de pauzeknop geduwd door Snelle Jelle. Nog 20 minuten volhouden voor de speler van Sint-Truiden. Of opnieuw het heft in handen nemen. Il garde la même formation. Il n'y a pas trop de changement. Il observe un petit peu ce qui se fait de l'autre côté avec Eupen. Eupen qui pour l'instant n'a pas encore fait la célébration de l'aigle. Hein. L'aigle n'a pas encore pris son envol. Ik denk niet dat de adelaar zal opstijgen vandaag. Je pense, hein. Ça va être difficile. Ça va être difficile pour l'aigle. 3-2 op het scorebord tussen Sint-Truiden en Eupen.
En opnieuw veel doelpunten. Dat zijn er nu 16 in 3 wedstrijden zowaar. Een gemiddelde van iets meer dan 5 goals per match. 5,33 om precies te zijn. Dat is veel. Dat is enorm veel. Il y a vraiment beaucoup de buts hein, qui sont marqués. C'est très spectaculaire. Cette poule 1 nous a donné beaucoup de très belles rencontres. Ronaldo, Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, la frappe de l'extérieur, Kevin De Bruyne. Hij heeft hem nog, De Bruyne. Hij mag ver komen, Ronaldo. Nee, goed verdedigd van Koulibaly. En dan opnieuw counteren nu. Sinds we zijn beginnen tellen, heel weinig elastico's gezien. Nee. Hij zal ons gehoord hebben. Of zal doorhebben dat het niet werkt tegen iemand als Ulix. Dat is goed gespeeld. De Ketelaar vrij aan de zijkant. Pelé niet meer bereikbaar. Ronaldo, daar is hij, nummer 12. De Bruyne. Dat is een goede bal op Pelé. 4-2. De Adelaar die blijft aan de grond vandaag. Het is de Limburgse vogel die mag opstijgen. Snelle Jelle, 4-2 voorsprong met nog een klein kwartier te spelen. En dan kan je wel zeggen dat de buit zo goed als zeker binnen is. Goede doorsteekpaas op Pelé. En dan geweldig afgewerkt voorbij Thibaut Courtois. Très, 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 très belle occasion ici créée par Snelle Jelle qui termine avec Pelé. Une très belle occasion. On le sent, comme on le dit, que ce joueur a vraiment de très belles qualités. Qui a du mal un petit peu à défendre, mais sur cette fin de saison, il prend un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de plaisir. Il a moins de pression peut-être aussi parce qu'il se dit qu'il est là pour tout simplement prendre du plaisir et pas se qualifier au niveau des playoffs. Et peut-être que ça va payer d'ici la fin de saison, surtout s'il fait un son en faute. Et que de l'autre côté, les 4 premiers font des erreurs avec accompagnés d'Anderlecht et du Standard de Liège. Traoré, erin gekomen. Cap de Villa. Krijgen we nog een 5e doelpunt van Snelle Jelle. Dan moeten dit soort ballen beter zijn. Ronaldinho, het is natuurlijk nog niet gedaan. Simon krijgt veel te veel ruimte. Simon, Koulibaly. Wat zou de E-Pro League zijn zonder Koulibaly? Ah, oui. Goh, kijk eens hoeveel ruimte nu. La contre-attaque du côté de Saint-Tron. Oh, la passe en attente. C'est dommage. Je pense qu'il aurait dû continuer tout droit avec De Ketelaar. Mais c'est pas grave, il la récupère bien ici. Ah, dat is goed gespeeld. Origi voor de 5e voorzet. Oh, magnifique. Oh, il a tenté le beau jeu. Dan wil hij het te mooi doen. Trap die bal toch gewoon tegen de netten. Ah, c'est dommage, il a tenté le beau jeu, Snelle Jelle. Et c'est reparti de l'autre côté, Moses Simon. Moses Simon, le centre, Ronaldinho. Oh, heerlijke goal. Quel but. Heerlijke goal van Ulix. Ah, il a marqué un beau but, hein, là. Attention peut-être à ne pas tout perdre, Snelle Jelle, sur cette fin de rencontre. Crépin Diata avec Moses Simon. Moses Simon qui pousse le ballon un petit peu trop loin, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Daar komt Snelle Jelle, zoals hij zelf zegt, goed weg. Jongen, jongen, jongen. Ook hier weer een doelpuntrijke, een kansrijke partij. Origi aan de andere kant wordt niet neergehaald. Gaan we voor de 5-3. Origi voorzetje, tweede paal. Nee. Tijd voor nog één kans voor Ulix. Stel je maar eens voor. Stel je maar eens voor dat dit nog lukt voor Rigi. Origi. Oh, il tacle. Le tacle nécessaire. La défense nécessaire du côté de Snelle Jelle pour préserver peut-être cette victoire à moins que bah oui, forcément le rouge à moins que Ulix s'est tiré les coups francs. Stel je maar eens voor dat hij er nu nog in vliegt die bal. Il faut prendre Kevin De Bruyne là normalement pour tirer les coups francs. KDB. Ah, hij neemt hem niet rechtstreeks. Dat is bijzonder. Ah, dat is misschien wel dom, okay. Maar Traoré hier nog met een vrije paaskans. Oef, opletten, Simon. Nee. Oh, bal gered op de lijn. Oh la 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 la. Wat een knettergekke partij opnieuw. Il n'en croit pas ses yeux. Il n'en croit pas ses yeux. Surtout que bah, sur la fin de cette rencontre, il s'est vraiment joué de lui-même. Il a failli se tromper lui-même en dégageant dans l'axe. Comme ça, comme on dit quand on apprend le football, dès les diablotins, on ne dégage pas dans l'axe. Et lui, il a fait l'erreur de le dégager. Il a failli en payer le prix. Crazy. Snelle Jelle, heel wat te leren nog, maar brengt telkens opnieuw spektakel.
En zit dus nog in de running voor de play-offs. Behoudens resultaten van KV Mechelen. Niemand mag dus nog naar 12 punten gaan, want dan gaat Snelle Jelle wel een probleem hebben. Ulix, van hem moeten we afscheid nemen dit seizoen officieus. Hij zal nog wel het seizoen uitspelen, uiteraard. Maar hij geraakt dus niet meer bij de eerste vier. Il ne sera pas présent cette saison-ci dans les playoffs. Ulix qui a fait une saison un petit peu en demi-teinte. On n'a pas vu le grand Ulix qu'il était lors des dernières saisons. Il a eu beaucoup de mal à conserver et à mettre son jeu en place. Et ça se paye aujourd'hui encore plus face à un joueur qui vient d'arriver dans l'élite, Snelle Jelle, qui a montré de très belles choses et qui confirme nos dires, hein, ce qui est plutôt chouette et plutôt cool. On espère que les prochaines fois, en tout cas Ulix, fera de meilleures prestations. Volgend seizoen beter. Goed, we nemen even een zijsprong naar groep 2, waar we klaar zitten voor de absolute topper. Antwerp tegen Sporting Charleroi. Groep 1, dat ziet u nog. 3-3, of 2-3 liever. Standaard tegen Brugge, 3-3. Mechelen, Genk, Sint-Truiden-Eupen werd 4-3. Veel doelpunten en dat verwachten wij dus ook bij Antwerpen tegen Charleroi. On espère qu'il y en aura aussi, hein, dans les prochaines rencontres et surtout sur ce topper de la poule 2 qui commence juste après ça.